Parce que nous sommes confrontés à de graves crises internationales, et je vais évidemment sûrement évoquer avec Simon la situation dramatique à Gaza et le rôle du Conseil de sécurité où nous siégeons en ce moment côte à côte et nous avons pris, tu l'as rappelé, des initiatives hier pour aboutir à une résolution permettant le cessez-le-feu immédiat, la cessation des hostilités qui est le point de départ de tout ce qui peut se passer après. Question. Une question de RT. Priority right now is a cessation of violence, is a ceasefire, and is ensuring access for humanitarian assistance and support for many, many people who need it. You know, if you take Gaza as we speak today, there are 57,000 people, Palestinians, in schools in Gaza because they believe that they are unlikely to be hit by fire if they're in a school. So, you know, this is a humanitarian question. And so the focus, I think, for the Security Council has got to be a cessation of violence so that we can help people in a humanitarian way. There are all sorts of other political questions that need to be asked. But I think what the Security Council needs to do now is to find a way of calling for an end to violence, to rockets from Gaza, and to airstrikes from Israel. And I think that's where the focus is. La résolution au Conseil de sécurité seulement si vous avez un soutien unanime. Minister Le Drian, are you? Alors dans l'immédiat, il importe que la cessation des hostilités puisse avoir lieu immédiatement, le plus vite possible. Et dans l'immédiat, il importe aussi que l'aide humanitaire puisse être organisée très, très rapidement, singulièrement sur la bande de Gaza. Et puis après, il faudra poser les actes de confiance permettant de renouer le dialogue. Il est indispensable. Mais c'est vrai que ce dialogue indispensable et ces marques de confiance successives ne pourront intervenir que lorsqu'il y aura eu fin des situations de crise politique qui existent à la fois en Israël et au sein de l'autorité palestinienne. Donc si bien que nous sommes dans un environnement complexe. Mais le préalable, c'est la cessation des hostilités, le cessez-le-feu immédiat, et c'est ce sur quoi nous nous battons, en particulier au Conseil de sécurité. Follow-up question sur Gaza et sur Israël. Est-ce que, monsieur le ministre, vous êtes prêt Gaza à soumettre votre...